bonjour à tous, c'est Alric. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier Bowser. On va finir le jeu avec 69 étoiles, ce qui est tout à fait logique. Salut. Salut. En fait, ce qui se passait, c'est que je me suis dit, quand on a et si on testait le bug de l'escalier pour aller directement au Bowser? Et il se trouve qu'avec Luigi, j'ai réussi à grouiller. Mais genre, de ma vision, ce que j'ai vu, c'est que moi j'étais en train d'essayer de faire le truc, la caméra nous a montré le mur, et d'un coup je vois Luigi qui marche dans le noir, et qui arrive devant le Bowser. Magnifique. Juste sa dédition en longueur. Voilà, bah on va essayer de le refaire, parce que c'était assez magnifique quand même. Ouais, on va le montrer, on va vous montrer cet exploit même. Regardez-moi cet escalier sans fin qui se... Est-ce que toi tu peux monter directement? Musique. Ah oui. Ah mais attends, est-ce que je peux monter mais même sans rien faire en fait? Attends, fais voir. Genre vu que toi tu restes en bas. Vas-y, fais voir. Moi je monte. Tranquille. Ah ouais. Moi vas-y, attends. Et ouais, parce que ça... Est-ce que je peux monter moi? Je pense que ça active pas le script. Mais... What the fuck? Mais... C'est bugué. N'importe quoi. Bon bah on a fait bugger le jeu. Hein. Attends, et si je reste en bas, normalement tu peux pas monter là, c'est sûr. Attends, vas-y, viens. Il faudrait qu'on repasse la porte par contre. Ah mais d'accord. What? Ah, je crois qu'on pouvait pas ressortir. On peut pas ressortir. Ah, c'est ça. Moi, je pouvais pas ressortir, mec. Moi, je pouvais pas ressortir. C'est n'importe quoi. Attends. Et là, si j'essaie de monter. Vas-y. Mais. On a bloqué le jeu, ça y est. Alors, ben ça, voilà, les amis. C'est comme les perches, c'est comme le canon. Voilà. On a fait bugger le jeu, ça y est. C'est magnifique. On a débloqué le Bowser final. Bon, bah, écoute, moi, ce que je propose, c'est pour débuter la vidéo d'un bon pied, on fait comme ça. Pour bien démarrer la vidéo, on fait... Attention. Ah, le 6, ça va être rapide. Parce qu'en fait, avec ce niveau, ça dépend à quelle heure on démarre le niveau, en fait, par rapport à l'aiguille. Ouais, ouais. C'est plus ou moins rapide. Te suicide pas, Mario. Donc... Et là, on va galérer. Roll into the cage. Bah ouais, on fait un petit peu du stage, là. Du stage rigolo, un petit peu. Du stage qui va nous changer et qui va être rempli de fails. Ça, par contre, ça va pas changer. Dis-moi, est-ce que tu connais bien ce niveau? Je me rappelle plus, en fait. Comme je t'ai dit, ça fait des années que j'ai plus touché. Bah toi non plus. Ah bah... Ça fait des années que je l'ai plus touché à Mario 64. C'est chaud. Attends, on peut parler juste au petit Toad avant d'y aller. Vas-y. Il donne une étoile. Comme ça on pourra plus aller au Bowser. Voilà. Je peux pas lui parler, il veut pas me parler. Ah oui, c'est normal. Je pense que je suis un bâtard. C'est ça, mais qui es-tu? Je suis vexé, je m'en vais. La caméra, Luigi quoi. Fais-moi bugger par contre, comme ça nous évitera. Ah non, mais c'est bon, c'est juste une. Ah oui, non, ça nous fait pas réapparaître. Oh, c'est moi qui me suis fait frapper. J'ai pas compris. Attends, on va essayer d'arrêter le mécanisme en allant sur le 12. Ah merde! Ah merde, ça marche pas avec moi! Mais l'aiguille, elle s'est pas arrêtée, l'aiguille! Eh oui, ça marche pas. N'importe quoi. Bou, bou, bou. Alors, c'est de musique, franchement. Je crois que c'est la même aussi dans le dernier stage. Moi, la prochaine fois, je veux un Super Mario Galaxy multiplayer. Ok. Un vrai Mario Galaxy multiplayer, un vrai mode de joueur sur Mario Galaxy. Où on peut diriger Luigi, ou Toad, ou Peach. Harmonie. Bien Peach. Alors écoute, on va aller sauver Peach, mais on va diriger Peach. Voilà. Wow, on se calme tout de suite là. Alors oh putain, ce stage est tout en hauteur. Ah, c'est une horloge. Bon, ce truc est mécanique. Ah bah. Elle est où la Non. Je peux même pas bouger la caméra. Ah, on peut prendre une étoile avec l'aiguille si tu veux. Bon, on va la chercher dessus. Pas celle-là, mais. Oh non, c'est un peu long, c'est chiant. L'aiguille, elle avance pas. On ira la prendre quand on aura mis l'aiguille un peu plus rapide. Et ben voilà, vas-y. Je suis mort, non? Ah non. Mais non, t'es pas mort. Oh non, je suis revenu au début. Bon, vas-y, continue, non? Ah, m'envoie une étoile. Suicide-toi, peut-être, pour que... Ouais, ça sera mieux. T'es toujours pas mort, là. J'arrête pas de me suicider. Luigi ne veut pas se suicider. Enfin, j'attends que la caméra revienne, parce que sinon, ça va être la galère. Alors, la première toile, c'est celle qui est dans la cage, donc je crois qu'elle est juste ici. Comment on y va? Comme ça. Voilà. C'est quoi ce mécanisme? Non, franchement, c'est easy, là. La première, elle est easy. Voilà. Par contre, je crois que c'est la quatrième, c'est la plus dure du jeu, je pense. Ah, ça va être marrant. S'il faut monter tout en haut. Ça va être marrant. Ça va être rigolo. Après, j'ai envie de tester le stage arc-en-ciel. Oh, mon dieu. Mais laisse-moi monter. Je te fais la courte échelle.
De toute façon, c'est toi qu'il faut que c'est toi qui dois y aller. Laisse-moi monter. Si tu vas sur le 9, ça va aller super vite. Et sur le 12, normalement, ça s'arrête. Voilà. Donc si ça a marché, ça devrait être plus simple. Voilà. Ah. Excellent. Enfin, c'est pas pour autant que ça va être vachement plus simple, parce que bon, vu qu'une chute peut être fatale... C'était quoi l'intitulé? What the fuck? Mais... Oh, j'ai bugué dans le truc! T'as pas sauté? Si, si, mais en fait, je pouvais plus avancer, ça avançait tout seul! Bah bon? J'ai appuyé sur les touches, ça faisait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Au pire, ouais, je vais récupérer un truc vite fait. Un petit fail chacun, ça fait plaisir. Attends, c'était quoi là? De toute façon, y'a que du vide, il faut s'attendre à du fail là dans ce stage. Ah oui, c'est clair. Je peux pas mettre start moi. Si tu mets start toi. The Pit and the Pendulums. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que ça veut dire. Le pendule, ok, mais le... Le sommet, peut-être. Le Pit de Kid Icarus, là, je sais pas ce que c'est. Ouais, le Pit, là, le gars dans Smash Bros. Dark Pit, en plus. Tu l'as dans Smash Bros. U? Oui, oui. Ah ouais, intéressant. Ce serait intéressant de se faire une partie. Non, mais je suis tombé pile dans l'interstice, quoi. Ah mais oui, moi il faudra que je teste ton skill sur Smash Bros. Hein. Non mais, faut que j'arrête là. Parce que j'ai envie d'aller chercher l'étoile. Mais, ah! Je sais pas si je peux avec Luigi. Bon, on y voit que dalle. On attendra qu'il y ait l'aiguille qui tourne. Pour l'instant, je vais monter. Bon, je vais choper la première... Ah mais attends, on peut tomber là, non? Ouais, ah, peut-être. Je dis que c'est faisable. Et voilà. Bah c'était celle-là avec le pendule. C'était peut-être celle-là, la deuxième, je sais plus. Je pense pas que c'est celle-là, attends. Non, non. en tout cas, fallait une aiguille pour y aller. Cool. Attends, on va avoir 10 étoiles dans cette vidéo. Franchement, on va roxer. Trop vite. Là, ça va être horrible. TikTok clock. TikTok clock. Au moins, on va faire le passage, le stage, un des stages les plus chiants. Ouais, les plus difficiles, hein. En même temps, c'est bien, c'est l'avant-dernier. L'autre est difficile aussi, le dernier est difficile ouais. Aussi. Oh non. Putain, si on tombe. La caméra qui a tout foiré en fait. Ouais, la caméra moisie. Par contre, il va falloir s'attendre à avoir un game over. Hein. Bon bah ça, je crois qu'on est habitué. Hein. C'est quoi si tu me pousses dedans? T'es là. Putain, ça doit faire mal. On est en train de tester un peu le jeu, c'est vrai que nous on s'attend à avoir une autre version après. Et après il faut faire un Super Mario Road Star, hein, bien sûr. Star Road. Oui, plutôt. C'est pareil. Attends, y'a quoi là déjà? Une vie? Ah non, même 3 pièces. Étoiles. Oh, le 100 pièces ça va être... D'accord. Le 100 pièces ça va être chiant. Attends, mais j'espère que c'est pas un seul perso qui doit récupérer 100 pièces, hein. J'espère que ça compte pour les deux. Hein. Ah ouais, parce on n'a que... pas testé ça. Hein. Non, je pense qu'il y aura les deux. Il faudra tester sur le premier level. Ah, oh putain, il faut remonter tout en haut. Je crois, il me semble que c'est l'étoile avec le... où il faut activer un truc. Je ne sais plus trop, mais ça va me revenir. Tu veux un interrupteur, je crois, et ça active... Ça active un interrupteur. Qui active un interrupteur. Voilà, qui active un interrupteur. Donc pour l'instant, il faut passer là. Ah oui, après, il y a les... Oh non, les perches. J'espère qu'elles y sont. Il y a des perches dans le... Oh la caméra! Ah oui, attends, il faut que je la déplace un peu, moi. Je vais t'aider, hein, comme ça. J'espère qu'ils y sont, perches. Ah, c'est bon, il y en a une là. Mais c'est pas la même... C'est pas la même sorte de perche, en fait. Les autres ouais, étaient buggés. Il y a une perche buggée, une perche pas buggée. C'était bizarre. Bah ouais, mais... Ouais, c'est vrai. Oh putain. C'est vrai, ouais, mais normalement, elles sont pas être censées bugger, puisque dans un Bowser, on les avait eu, les perches. Oui, c'était les mêmes, c'était exactement les mêmes, en plus. Non, je pense qu'on a salut. Fait un... Je pense qu'on a eu juste un petit bug. Et tu vois le truc que je te disais tout à l'heure, si tu peux déplacer la caméra un chouïa... Non, de l'autre côté. Je peux pas me plus. Sens... Oh putain, c'est de la merde. Je peux pas sur me la sens droite. Que c'est un truc par là-bas. Pas de bêtises. Ouais. On va voir. Je tombe là. Yes. Ah oui. Il y avait une casquette. Bouge pas la caméra, surtout pas. Je touche rien. Ah non, c'était la pièce bleue. Je pensais qu'il y avait une casquette d'invisibilité. Est-ce qu'il y a un trou là? Putain de merde. Vas-y, tu peux la bouger peut-être. Juste comme ça. Comme ouais, ça. Comme ça c'est bien. Il y a une espèce de bloc au milieu là, attention. Il peut se faire écraser.
J'ai buté par dessus. Je m'en voulais pas de ça. Vas-y, on croit en toi. C'est bon. Voilà, nickel. Et on gère là, attends, en 10 minutes. Là, on gère. Hein. Là, 3 étoiles déjà. Non, 4 étoiles. 4 étoiles depuis le début de la vidéo. En 10 minutes. Alors que celle au premier monde, on a passé 20 minutes avant une étoile. C'est ça. Ça se trouve, le dernier stage, on va être encore plus vite. Ah. Alors, vu que là on a arrêté, je pense qu'on peut essayer les pièces rouges. Oh non, c'est celle-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. On va essayer les pièces, rouges. Elle est pas très difficile. Et en plus, à deux. Attends, la caméra, putain. Attends, y a la comme ça. Qui fait. Comme ça, c'est pas mal. Ça, il faut que tu te régènes ta vie, non? Je sais pas. Non, c'est bon. Avec les pièces, ça se régène de toute façon. Ah oui, c'est vrai. Bon, vas-y, je te laisse faire du coup parce que j'arrive pas à monter. Parce que mon perso a décidé de faire la grève aujourd'hui. Non, mais là, Mario, tu m'énerves. Je veux dire même que c'est le. Allez, mais moi, ah putain. Dire, mais putain. Mais putain. T'enchaînes les fails là. Ça devrait être plus simple parce que j'ai Luigi, mais bon. Pourquoi il y a une ombre là? Ok, d'accord. Mais c'est pas possible quoi, attends. Moi c'est plus simple parce que je saute plus haut. Vas-y, vas-y, prends la caméra. Mais cet épisode de pièces rouges, je dirais c'est même le plus simple du jeu parce que. Regardez-moi ça. Franchement. Ça. Quand... Mais. Bah, je vais te montrer comment on va chercher les dernières. Allez, vas-y. Un tour chacun. Plus qu'autre chose. Mais non, regarde. Comme tu rocks. Du poney, ouais. Il n'en reste que deux. Je vois que dalle là-haut. Attends. Prends la caméra, ouais. Mais en fait, c'est trop simple. T'as juste à faire comme ça. Ah oui, oui, c'est vraiment simple. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est juste qu'il faut penser à l'astuce du 12. Parce que quand les trucs sont en mouvement, c'est quasi impossible. Et voilà. L'étoile, je sais plus. Qu'est-ce qu'elle fout là? On est où là? Putain, elle est tout en haut. Ne tombe pas. Est-ce que tu peux la choper? Attends. Ah oui, mais non, là t'es bloqué. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? On va faire comme ça. Voilà. Et. Comme ça. Ouf. Mais what the fuck, pourquoi elle spawnait là-haut? Je sais pas. Je pense que c'est fait exprès. Allez, 5 étoiles en 12 minutes. Putain, et en franchement... plus, on a passé 3 minutes à vous montrer le petit bug, donc voilà. Je dirais 10 minutes tout court. Ils auraient dû mettre ce niveau au stage 2, franchement, c'est le plus simple, quoi. Franchement, là, on gère. Par contre, là, ça va être chiant. L'autre pompe, c'est... Tout en haut. Ah, tout en haut. Ouais, c'est l'une des plus difficiles. Mais vu qu'on a arrêté les mécanismes, normalement, ça devrait passer. Par contre, attends, ce qui me fait peur, c'est que je crois que si on arrête... Ah. Je crois que si on arrête les mécanismes, on peut pas aller la choper en fait. Ah bah, au pire, essaie de faire l'étoile sans. Enfin, l'étoile où il faut. L'aiguille là. Il reste quoi sinon? La cinquième? Je sais plus ce que c'est. Tu m'as dit qu'il fallait un truc avec une aiguille ou je sais pas quoi. Ouais, même c'est celle que j'ai chopée là-bas dans le mur en fait. Tu vois, avec cette aiguille là. Ah bah, c'est celle que j'ai chopée. Bah, je vais. Je sais pas. On va monter tout en haut et puis on verra. Ouais. Parce que normalement, on a besoin de l'aiguille qui tourne pour monter au sommet. Ça. Et là... Ah si, attends, je vois à peu près laquelle c'est qui nous manque. C'est justement une avec avec une casquette d'invisibilité, je crois. D'ailleurs, ça me refait penser au stage, putain, qu'on a galéré pour le truc de la casquette, là. La casquette bleue, la dernière fois. Ah merde, est-ce que je peux monter, là? Si tu fais un saut... Oui, il y a moyen de monter. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen, s'il veut. Il faut que tu sautes, voilà, comme ça. C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors... Y'a rien là-bas. Ah si, un truc, attends, quoi? Y'avait quoi? J'ai cru voir un truc. Non? Y'avait quoi? Ça, tu crois? Non, j'ai rien vu. What the fuck? C'est peut-être parce que y'a pas Mario, en fait, ça fait pas popper les trucs. Oh, non, je pense pas. Alors, je crois que c'est dans cette cage. Un truc comme ça. Je sais plus à quel moment y'a la... Ah bah non, c'est là, non? Ah bah oui, y'a une étoile, là. C'est juste là. Bah voilà, écoute. Je pensais qu'il fallait une casquette, mais même pas. Bah écoute, on garde le difficile pour la fin. Voilà. Franchement, nickel, aucun souci. On gère tellement là, parfait. C'est impressionnant là, je n'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas là. Il manque... On pourra aller se faire du Mario Kart après. Une fois qu'on aura fini ça. Du Smash Bros là, allez, je vais te frapper. Alors, je vais activer les mécanismes doucement. Au 3. Je crois. Ouais, ça devrait passer. En tout cas, c'est la meilleure manière de le faire. Je pense. Par contre... Oh putain.
Ça me rappelle le fail quand on avait voulu activer un truc dans la forteresse du deuxième. On voulait parler aux bombes. Ça me rappelle. C'est n'importe quoi. Alors par contre, on va vraiment y aller doucement. Ouais, doucement. Tu me dis si la caméra elle te fait chier. Hein. Non, pour l'instant ça va. En général, je le dis quand vraiment la caméra est. Quand la caméra est vraiment embêtante, mais là franchement ça va. Elle se déplace toute seule donc ça va. On va y aller dans l'ordre. Putain. Ça passe. Ah non. Oh putain. J'ai failli mourir. Heureusement, il y a moyen de se rattraper, c'est bloqué. Juste, voilà, il faut pas rester agrippé en fait quand il tourne. Allez, go. Hop. Première étape de franchie. On s'en fout de ça. Ok. J'ai failli tomber. Ce serait bien qu'on arrive tous les deux en haut en fait. Ouais, en plus, on... Ce serait classe. Vas-y. Ah, mais... c'est vraiment un travail de... Ah. Attends. Non. Ah. Bon, tant pis. Oh non, t'es pas mort, non. Ah non. Tant pis. C'est pas grave, vas-y, allez, fais-le toute seule. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Moi non plus. C'est très difficile avec la caméra qui se focus sur un joueur. Ah bah, je crois que t'es mort, non. C'est vraiment très difficile le fait que la caméra se focus sur un joueur. Mais ouais, et du coup, elle se bloque dans le décor, ce qui n'est pas le cas dans le jeu original. Donc, faut faire avec. C'est ça. Mais on est pile sur le 3 là. On est des warriors, on va y arriver. Puis là, de toute façon, vu qu'on a roxé, on peut bien se permettre quelques fails. C'est ça. Oh putain. Tu me fais peur depuis le début là. Tu me fais stresser. Non non. What the fuck, je t'ai poussé quoi. Attends, je te rejoins. Luigi a tué Mario. Luigi a tué son frère. Luigi n'a pas compris que c'était la coopération. C'est ça. Vas-y Mario, là, tu me voles la vedette encore une fois. Je te vire moi. En plus Luigi il est même pas jouable dans Mario 64 quoi. Eh oui. Dommage ça, ils ont... Bah, tu sais, dans une mise à jour précédente du hack, c'était un Mario noir en fait. Et ils l'ont redesigné avec un. Enfin, ils ont pris un autre Mario et ils l'ont redesigné. Avec un Luigi. Ouais, c'est classe. Je crois que c'est un truc comme ça en tout cas. Parce qu'avant c'était un Mario noir donc. Mais what the fuck. Il s'est passé quoi là. T'as pas voulu longer le mur. Non mais. J'ai longé le mur. Enfin, j'ai pas. What. Allez, bah, voilà, tu vois, toi aussi ça te le fait. Non, j'ai fait exprès. Ah, j'ai eu peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe. Les gars, est-ce qu'on va avoir notre peut-être deuxième game over? Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Il nous reste deux vies. Non, on est comme ça, nous. Hein. Oh. T'as mis le 9. Allez, on prend la difficulté max, on est comme ça. Putain. Regardez le pendule déjà, quoi. Truc de ouf. Moi, je vois pas énormément de différence. Hein. Non, je plaisante. Bah, tu vas voir, tu vas. Je l'ai vu la différence, tu vois. Tu la sens sur les blocs. Ouais, ça se voit direct, t'as pas le temps de sauter quoi, c'est n'importe quoi. Tu veux que je teste ou je meurs? Ah ben voilà, il suffit de demander. Oh là là. Non mais ne meurs pas à chaque fois, parce que sinon on perd du temps là, on était en train de bien roxer. Ah, genre. Faut qu'on arrive à finir ce stage. Ouais, oh, sinon on peut le laisser pour après. Hein. Non, il faut qu'on le finisse, comme ça on a fait une vidéo, on a fait un stage en une vidéo. GG quoi. Là on a fait déjà 6 étoiles dans cette vidéo. Si on arrive en plus à avoir la 7ème. Ouais, surtout que c'est. Putain. Ah, y'a un trou en fait là. Saleté. Bon, bah, écoute, allez, game over. Si encore on mourait tout en haut, je comprendrais. Mais là, on n'arrive même pas à passer le début. Yahoo. Tu sais qu'il y a un crash aussi qu'on a jamais. What? Oh, c'est revenu. On vous a perdu pendant quelques secondes. C'est ça. Putain. Attends, il nous manque quoi comme truc d'ailleurs? Pendant que j'y pense. Alors ça, on a rien fait. Plein de choses. Alors ça. Ouais, tremper séché. On est allé dans tous les mondes sauf le dernier en fait. Ouais. Et les 7 premiers, on les a fait. Ça, c'est chiant à finir. Ça, c'est chiant. Ça, c'est pas mal. Ouais, la solution à cause. Dire dox. Non, en fait, c'est chiant. Je viens de me tromper de stage en fait. Bah, y'a des étoiles super simples, mais c'est juste que le niveau est pas passionnant quoi. La troll mountain aussi, c'est pas mal. Il nous manque des étoiles secrètes ou pas? On en a combien? J'ai pas vu. Il y en a 15 en tout. Ah ben ouais. Il nous en manque 4. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'ailleurs? Salut. Celle des Toads, on les a faites. Mais qu'est-ce que je fous? Ah, il y a quoi ici? Ah oui, d'accord. J'avais oublié. Ah oui, il y a l'étoile qui est en face, celle du dernier monde.
Donc elle va être très chiante parce qu'il y a plein de canons. Ah oui, c'est, je m'en rappelle. Et après, qu'est-ce qu'il reste à voir? Peut-être aller voir une petite solus rapide. C'est celle-là, non? Ouais. C'est celui-là de canon ou c'est l'autre? Ça, c'est le canon. Elle est horrible. Déjà dans le jeu original, elle est horrible. Mais alors là, ça va être le bonbon, je sens. Salut. Tu veux dire, rien que pour y accéder, c'est chiant. C'est ça. On entend Luigi qui s'endort. Mais non, mais oh là là, c'est pas possible. Je crois que je vais venir, non? Vu que moi je saute haut. Allez, voilà. Yes. Quand même. Ouais. Qu'est-ce... Mais tombe. Tombe. Mais... Mais... Descends. Ah putain, je crois qu'il y avait un bug là. Luigi nous a rejoint. Là aussi on peut faire un bug, mais... Ouais, c'est un peu pareil. Donc. Ah oui. Ah, elle est belle la porte. Il se passe quoi là? Est-ce que je peux bouger? Ah oui. Attends-moi. Oh putain, comme c'est bugué. Il est vraiment génial ce jeu. Putain, on pourrait carrément aller finir le jeu quoi maintenant. Ouais. Alors faut lui le montrer en vidéo, non, la porte? Non mais on teste au moins une fois quoi. Oui, 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 je sais. Il faut combien d'étoiles? 70. Non. Oh putain. Eh oui. Nous avons Kin. Et normalement... Ah ouais, on y voit que dalle. Mais attends, mais moi je peux gruger. Oh putain! T'es où? Tu es où? What? Mais je peux y aller! Vas-y, attends, on le refait, on le fait en vidéo. Attends, attends, reste là-haut, mais... reste là-haut, reste là-haut, reste là-haut. Attends, tu te mets devant le truc de Bowser. Mais, je suis donc essaie de tourner la caméra comme ça, tu te mets devant le truc de Bowser, tu fais et voilà, on se retrouve devant le boss final pour la dernière vidéo. On fait une blague comme ça. Attends, faut... putain, la musique est trop forte par contre. Vas-y, attends, je démarre là, moi, mais faut pas commencer. Attends. Hop, hop, vas-y, vas-y, attends. Vas-y, refais les coucous, recache-toi et tout. C'est qui commence? Vas-y, toi.